arraché dans le sang et dans la douleur à la suite du double scrutin du 22 mars et du holdup électoral du 18 octobre dernier. Donc, voulons que notre pays revienne rapidement à l'ordre constitutionnel pour que la Guinée reprenne sa place dans les instances africaines, la CEDEAO ou l'Union africaine, dont elle est actuellement suspendue, mais également qu'elle reprenne pleinement la coopération financière avec les pays et les organisations internationales qui, suite justement à cette situation, pourraient suspendre ou réduire leur coopération économique et financière. De quel œil allez-vous en tout cas veiller sur cette transition? Oui, on sera vigilant en tant qu'acteur politique, on fait confiance au colonel Mamadi Doumbia. Sur parole, il a prêté encore seulement ce qui renforce aussi son engagement. Maintenant, j'ai vu nos acteurs politiques, la société civile, je pense qu'on sera toujours vivant. Le cas échéant,